Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon week-end. Bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner. Il y en a eu à peu près 100 nouveaux abonnés sur un jour et demi, deux jours. C'est assez incroyable. Autant sur un week-end, j'en ai jamais eu autant. Ça fait vraiment plaisir, certes, mais voilà, tout ce qui compte pour moi, c'est les encouragements avec le pouce bleu. Et puis en commentaire, donnez votre avis tout simplement sur les pronostics que je vous propose. N'oubliez pas, j'ai également Instagram et ma page Facebook pour vous donner mes pronostics. Sur Instagram, qu'est-ce que je fais? Je publie tout simplement les photos de tous les paris que on fait ensemble. Instagram, je pense que c'est super pour certains d'entre vous, puisque voilà, il y en a beaucoup qui utilisent cette application, donc c'est vraiment pas mal. Pour ce soir, pour aujourd'hui, il n'y a pas de pronostics. Voilà, je m'abstiens. Je pense que de temps en temps, il vaut mieux s'abstenir quand on n'est pas inspiré sur certains matchs. Et puis, bon, de toute façon, comme je dis toujours, il ne faut pas parier tous les jours, ça ne sert à rien. Après, ça devient une drogue, donc je ne vois pas l'intérêt. Avant de vous donner mes pronostics, je vais répondre à certaines choses qu'on m'a demandé en commentaire. Pourquoi je ne donne pas mes analyses? Pourquoi je parie sur cette équipe? Je ne dis pas pourquoi. Je ne le dis jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que les pronostiqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'historique. Ils sont devant vous, ils vous disent, voilà, Barcelone a gagné 10 matchs à domicile sur 11, donc ils vont gagner le prochain match. Ou sinon, ils répètent les statistiques. Cette équipe n'a pas perdu depuis 2003 face à telle équipe. Donc, ils ne vont pas perdre. Pour moi, ça ne marche pas comme ça, les paris sportifs. Ce n'est pas juste l'état de forme d'une équipe. Parce que vous le voyez bien, il y a des fois le dernier, comme hier, eh bien, ils accrochent Barcelone, l'Espagne de Barcelone. Pourtant, beaucoup de monde avait misé sur le Barça. Alors que le Real, c'est une cote à presque 2. Ils font une mauvaise saison et ils ont gagné. Alors que voilà, beaucoup de monde pensait que le Real n'allait pas gagner. Donc, je ne vais pas dire pourquoi je parie sur telle équipe. Parce que pour moi, voilà, je fais mes analyses et pour ne pas faire une vidéo non plus trop longue, je vous donne mon pari, à vous de suivre ou pas. Pour lundi, donc, ce sont mes deux pronostics, un combiné de deux matchs lundi soir. Naples-Inter, donc en Serie A, les deux équipes marquent, côté à 1,60. Combiné en Coupe de France avec FC Rouen, Metz, victoire de Metz, côté à 1,65. La cote totale est de 2,64. J'ai misé 18 euros pour 47,52 euros de gain. 18 euros de mise, comme d'habitude on gère les mises, je ne vais pas miser 50 euros alors qu'on vient de gagner hier. Pareil, si vous êtes en perte, n'allez pas miser plus gros à chaque fois pour essayer de récupérer, vous pouvez le faire de temps en temps, mais c'est assez risqué. À vous de gérer vos mises. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous.